Bonjour tout le monde, c'est Emel qui vous parle et bienvenue à la série Emel se fait planter en shootout par les CPU. Et dans ce match-ci, dans le dernier match, on a fait Lightning de Tampa Bay contre LA Kings. Donc on va aller aléatoire. On a déjà joué avec les Kings, donc on va faire aléatoire. Donc ils disent les Islanders de New York et le Wild du Minnesota. Donc je sais pas si ça va être une vidéo bonus ou la vidéo de dimanche, j'ai pas encore décidé. Donc moi je vais prendre les Islanders de New York. Et pourquoi c'est sur perso? En tout cas, ça dérange pas. Ah ouais. C'est juste moi qui ai changé une coupe d'affaires là. Inquiétez-vous pas, c'est encore le même niveau de difficulté que lors du dernier match. À vrai dire, ça fait longtemps que j'ai changé ça. Je l'avais sûrement juste pas remarqué durant le dernier commentary que j'avais fait que c'était sur perso. J'ai juste augmenté des affaires pour rendre ça un petit peu plus difficile que Superstar, parce qu'un coup tu sais comment jouer à Superstar, c'est un petit peu facile. Mais je me suis fait battre 1 à 0, puis j'ai encore fait une période de 3 minutes pour que ce soit une petite vidéo. Et mon son, j'ai encore de la discuter avec mes passes, excellent. C'est bon, faut que j'apprenne à m'humilier pour si je veux devenir bon pour jouer sous la pression. Poso. Phew! Ah! Come on, Molson! Oh. Oh oui, c'est vraiment mieux. Tavares. Ouf. Oh, Johnny. Non. Tavares, elle... Ah! Qu'est-ce qui est arrivé à ce passe-là? Oh, il l'a tué. Matt Cook! Je vais toujours le détester, Matt Cook, peu importe le temps qu'il a changé, parce que c'est lui qui a fini la carrière d'un de mes joueurs préférés, Marc Savard. Je l'aime beaucoup. Et un autre de mes joueurs préférés, Chris Pronger, qui a officiellement annoncé sa retraite. Un vrai défenseur, là. Un vrai de vrai Chris Pronger. Il n'y en aura pas un autre, Chris Pronger, malheureusement. Des grosses mises en échec. Du gros jeu défensif, un gars qui se présentait durant les séries. Mais peu importe, là, c'est temps de marquer des buts. Gardner, Nielsen. Oh oui, Gardner. Oh, come on! Et ça, quand mon jeu est parfait, mais la passe est interceptée en défensive. Et on l'a, on l'a, on l'a. Bailey, Nielsen, Gardner. Et voilà! Il avait dit que j'étais capable de marquer des buts. Mihal Granush, c'était pas le plus beau but, là, mais laissez-moi une chance. Commencer avec quelque chose. Reagan. Brock Nelson. Oh, quelle mise en échec. Par le CPU en plus. Oh, Reagan! Hamonic, shoot! Ah, McDonald, oh oui. Ah, c'est Reagan qui l'a bloqué. Brodziak, un joueur que j'aime encore une fois beaucoup. Un bon petit grinder. Il va faire ce que tu lui demandes. Peu importe ce que tu lui demandes. Donc, 1 à 0 après la première période de jeu. Au moins, j'ai réussi à marquer un but. Donc, je vais pouvoir mieux dormir ce soir. Et, Okposo. Un bel arrêt de Nicklas Backstrom. C'est-tu moi où la défensive du Wild est moins bonne que celle des Kings? McDonald, Hamonic, oh oui, Grabner, Grabner. Ah! Oh, Matt Cook. Ah, Hamonic, il l'attendait. Je l'attendais avec Hamonic, mais il a décidé de faire le bon jeu et de passer la rondelle. Granlund, mais il se passe comment, Bailey? Skate, skate, skate. Nah, Bailey, trop lent pour Brodin. Oh, beau jeu de Grabner, beau jeu de Grabner. Ah, il était sur son revers. Il fallait que j'essaie de lancer pareil, sinon je perdais la rondelle. Oh, Tavares. Oh, Matt Cook. Ah, Vishnevski, faut pas qu'il soit hors position. Oh, bel arrêt de Nabokov. Ça va pas être dangereux s'il aurait laissé un rebond. Belle passe vers Matt Molson. Ah, Poso, fonce au filet. Ma passe était ratée, là, mais... Il aurait dû quand même foncer au filet.
Non, Spurgeon, j'ai pas le temps de me battre. Là, il faut que je gagne le match. Niederreiter, Ballard. Oh. Brock Nelson. Bouchard. Ah, Brock Nelson! Ah! Devant le filet encore, again! Un très beau jeu, je pense que vous allez être d'accord. Bien, j'ai bien fait circuler la rondelle. J'ai attendu le bon moment pour qu'il soit libre devant le filet. Je sais pas pourquoi il était tout seul devant le filet comme ça. Je sais que c'est Peter Regan, mais il est quand même capable de marquer des buts. Bon, ça, on va l'envoyer au filet. Oh, Tavares! Come on! Finis ta mise en échec au poste. Yeah! Oh, Tavares! J'aurais aimé ça prendre les devants par 3 buts. C'est toujours ça qui m'arrive. Moi, je prends les devants par 2 buts, puis après ça, j'accorde un but, puis là, le match devient serré. J'ai-tu fait des périodes de 3 minutes, moi? Il me semble que ça passe pas vite. Oh oh. I save Nabokov. Oh, Hamonic qui était. Oh oh. Fais juste la sortie. Ouf. Ils m'ont pas appelé pour le hybride icing. Heureusement, j'avais oublié le icing hybride. 2-0 pour les Islanders et moi-même, après 40 minutes de jeu, après 6 minutes de jeu. Excellent, là, il nous reste juste à jouer de la bonne défensive comme que je joue d'habitude. Puis oh, ça devrait être dans la poche. Là, quand la puck rebondit comme ça, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Quand un gars comme Parisi s'amène, ah, fais juste la sortir de la zone. McDonald, beau jeu, beau jeu. Pour ça, envoie-le dans le coin. Ah. J'aimerais ça qu'on puisse faire ce que les joueurs de la LNH font, l'envoyer sur la bande, puis après ça, aller la rechercher. Oh, beau jeu de Poso. Ah, Mawson. Mawson. La fin de Mawson. Ah. Tavares à Mawson. À Tavares. McDonald, Tavares. Ah, il est bien couvert. On contourne le filet. Ah ouais, là, au filet. Oh, Mawson. Je suis satisfait avec mon jeu, en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça s'est grandement amélioré. Je suis capable de faire des passes. Mes jeux s'effectuent. Pourtant, je fais rien de différent que j'avais fait la dernière fois. J'ai encore le même style de jeu. Peut-être une différente équipe. Peut-être que le Lightning n'est pas mon genre d'équipe dans NHL. Bailey. Oh. Grabner a de la discuter avec la POC. C'est beau, il l'a. Ah, envoyez là le long des rampes. Ouais, beau jeu, beau jeu. Ah, Grabner, oui. Ah, j'adore ça quand le CPU, ça va direct où ce que je veux, là. Direct dans l'enclave. C'est sûr que je vais le trouver, j'attends juste ça. Cook, oh. Beau jeu de Cook. Ah, la puck, elle rebondit pas de notre côté. Brodziak. Oh, belle circulation. Ouf. Oh, Reagan! Oh, beau jeu de Reagan! Slapshot! Ça aurait été beau, par exemple, s'il avait réussi à rentrer avec un slapshot. Des fois, ça marche. Comme je l'ai dit, moi, j'aime ça essayer beaucoup d'affaires différentes pour rendre ça intéressant que juste toujours les mêmes genres de buts. Mais là, je jouais pour gagner, par exemple. Reagan. Oh, c'est vrai, empty net. Je pensais qu'il allait bloquer mon empty net. Il n'a pas réussi, malheureusement, un bel effort quand même. Donc il reste juste 43,6 secondes. La victoire est dans la poche. J'aurais réussi à gagner cette fois-ci. Puis j'aurais pas encore humilié en tir de barrage. Hamonic! Mais là, c'est sûr que je veux ma revanche contre le CPU en tir de barrage. Je me suis fait humilier, vraiment. Il m'a arrêté durant mes 3 lancers. Si j'aurais été le goaler, je maintiens que j'aurais arrêté le but qu'il a accordé. Puis qu'on aurait continué, mais. Peu importe, je sais pas comment qu'on fait pour aider le goaler durant les shootouts. Fait que, Molson, Tavares. C'est bien les humilier. Oh non. Faut que je garde mon jeu blanc. J'ai toujours pas accordé de but dans cette série-ci, qui est pas vraiment une série, plus de vidéos bonus. Oh, belle passe. Ponceau. Ah. Et voilà. J'espère que ça a été un petit peu plus intéressant. Je sais que le match était pas aussi serré, là. Mais. J'ai joué du bon hockey, puis je pense que je mérite cette victoire-là, je l'ai pas volée. Puis
Ben, honnêtement, je sais qu'ils n'ont pas marqué de but, mais je vais ajuster les sliders, OK, comme j'ai fait, puis faire en sorte que le CPU marque un peu plus de buts pour que ça rende intéressant, mais je veux pas que ce soit impossible non plus. Je suis pas le meilleur joueur au monde de NHL. Fait que faut me laisser une petite chance. Puis ben c'est ça, moi je vous dis à la prochaine.